temps, ça explique aussi que quand on nous pose la question pourquoi j'ai écrit en langue de corps, je réponds, maintenant j'ai été venu à la poésie par le temps, en particulier par la poésie. Là. Donc les références, elles étaient avant tout là. Bon, mais c'est bien aussi. Donc, et ben, on retrouve ça aussi chez Patrick dans son écriture, et puis après il sort aussi chez Patrick. Ça m'a donné envie de faire des chansons. Ça m'a donné envie de faire des chansons parce que je pense pas que c'est dans des chansons que la poésie, c'est des chansons de force. Il y en a beaucoup, moi en tout cas, je ne trouve aucune poésie. L'association de Dieu, c'est exactement le même schéma pour la vie. C'est ça, on retient ça, on y vient parce que ce qu'on lit. En même temps, c'est un audit, c'est bien, mais il y a aussi quelque chose à dire, faites la réflexion. Moi, je sais que ça a été très, très important dans ma démarche d'essayer, au début, d'écrire de des textes qui pourraient être chantés. En tant qu'auditeur, nous qui en aimons la mère et tout, les paroles, c'est important. On sent tout d'un coup qu'il y a des mots qui restent, qu'il y a des images qui sont créées, qui sont différentes. Qu'on ne va plus oublier, il y a une qualité. Je voudrais demander à Patrick si ça lui a pris jeune de se mettre à écrire. Au départ, est-ce que tu savais que c'était pour des chansons ou est-ce que tu écrivais comme ça et à quel âge tout ça? Pas forcément pour la chanson. En partie. Par le chant, comme tu disais, on n'a pas dit, et en partie par la lecture et par l'école. D'accord. Moi, ce qui m'avait plu, c'était quand ils sont en groupe, on pouvait essayer une fois qu'on peut-être que ça va pas venir plus de notre manière de l'écrire aussi, je sais pas. Donc, les premières choses qui étaient écrites, c'est après la chanson, c'est le moment parce qu'entre amis, on avait fondé un groupe, c'est le mieux comme ça. Par contre, là, il y a tout ça, oui. Mais moi, je ne sais pas écrire sans parler. Je d'abord, j'écris après. Ouais. C'est obligé de me donner une cadence, un rythme, comme on le fait quand on se récite un palier avant les chansons. Comme l'ont fait de grands auteurs comme Stendhal ou d'autres, qui disaient à haute voix.